train de mourir. J'ai pas foutu ça là. Ah, j'ai trop hâte de faire cette vidéo. Il est où mon téléphone? Oh non, je l'ai oublié. Oh non. Ah, il est là. Je peux pas respirer là. Ah, j'ai trop hâte. Oh, j'ai oublié de me raser. Oups. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai tellement... Arrête de montrer ton anus. Ça fait un mois que j'attends. Putain, je suis essoufflée. J'ai commandé des perruques, je crois que j'en ai commandé 10, quelque chose comme ça, sur Wish. Alors du coup, c'est pour ça que là, j'ai trop hâte. Parce que les gars, ça fait un mois que je les attends. D'ailleurs, il en manque une. Mais je me suis dit que si j'attends qu'elles arrivent toutes, on fera jamais cette vidéo. Est-ce que ce truc est considéré comme un soutien-gorge ou comme un haut? Par contre là j'ai envie d'enlever ça là, je peux pas respirer, ça me rentre dedans. Si vous me suivez sur les réseaux ou si vous avez juste des yeux, on peut admirer mes cheveux qui sont complètement bousillés. Je pense que là en fait vous le voyez, ils se sont coupés ici. Du coup j'ai une queue de rat là, comme ça, toute seule. Je pense que là ça se voit mieux quand je fais comme ça. J'ai vraiment tout un côté qui s'est coupé. Alors vous inquiétez pas, la vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment de cette tronchetta qui ne va... rien ne va plus arrive bientôt. Je compte vous expliquer les raisons le jour où justement je couperai mes cheveux, parce que je pense que là il n'y a pas d'autre choix que de les couper. Mais du coup je me suis dit, avant de le faire, est-ce qu'on n'essayerait pas un petit peu de voir ma tronche avant avec des perruques? Mais là une condition s'impose, devoir payer une perruque. Une perruque ça coûte très très cher. Du coup je me suis dit que j'allais en commander sur Wish, puisque bah franchement j'ai dû les payer aux alentours de 10 euros, parfois moins, parfois un petit peu plus. Je crois que les plus chers j'ai dû les payer 15 balles, quelque chose comme ça. Donc comme ça, ça va me permettre de tester plein de styles différents et de voir un petit peu ma tronche avec, avec des cheveux différents, parce que j'ai les cheveux longs et blonds depuis maintes et maintes années. Comme vous pouvez le constater, on part sur de nombreuses choses à essayer. Mais bon, tant pis, j'espère bien que cette vidéo fera plus de 10 minutes afin de me rembourser toutes ces perruques que j'ai achetées avec mon propre argent. Pas des choses qui arrivent souvent ça. Non mais ce bout de cheveux qui pend là, je n'en peux plus. Je ne supporte plus de voir mes cheveux. Ça tombe bien puisque on est là pour changer ça. Du coup je vais prendre une au hasard. On part sur de la couleur. J'ai hâte de voir ma tronche avec ça. Hein. Bon, déjà, on voit un petit peu la qualité. Après, j'ai pas du tout jugé la qualité, les gars. Je les ai achetés sur Wish. T'achètes sur Wish, tu t'attends pas à avoir une perruque de super bonne qualité. Hein. Donc là, on part sur le moment où je vais avoir une tête extrêmement laide. Ça va pas nous changer beaucoup d'habitude. C'est Rikiki. Ah, comment qu'elle fait elle? Toujours je me mets à mon avantage dans ces vidéos. Hein. Bien évidemment, j'ai oublié un chouchou. Je reviens. Bon. Voilà à quoi je ressemblerai sans cheveux. Vraiment les gars, je vais le mettre à l'arrache. Hein. Le but c'est pas que ce soit hyper... Un petit peu mieux que ça quand même. Comment ça se fout ces trucs là? C'est très, très étrange. J'ai un peu du mal avec cette rubicance ici. On dirait Brivante de Camp. Je vais tester avec un chapeau. J'arrive pas à la mettre. Ça rentre pas dans ma tête. Non, ce look est non validé. N'hésitez pas à me dire à chaque fois dans les commentaires s'il est... Deuxième petite perruque. J'ai tellement hâte d'essayer ça. Je sais pas si vous arrivez à voir. Oui, vous voyez très bien. C'est rouge. J'ai une période où je rêvais tellement d'avoir les cheveux rouges. Oh non, mais c'est trop beau cette couleur. Ça m'a l'air d'être un carré très court. On est sur un problème. Je comprends pas le principe, on dirait mes cheveux. Il y a un côté court, un côté long. Vraiment, je ne comprends pas le principe. Mais c'était pas du tout ça sur l'image. Non, mais non. Mais pourquoi? Il y a une mèche à faire ou quoi? Bah non. On est sur une petite coupe asymétrique. Hein. Par contre la couleur, vraiment je kiffe. Mais ouais, c'est... Non, j'ai du mal. Bon bah celle-ci, c'est un mystère. Ensuite, on a du noir. Non mais plus je regarde, moins je comprends. Celle-ci, je l'ai déjà essayée sur Insta. En fait, ils se sont trompés, ils me l'ont envoyé deux fois. Pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux, honte à vous déjà dans un premier temps. Et dans un second temps, il n'est jamais trop tard. Allez-y. Non mais je suis désolée, mais j'aime beaucoup cette longueur. Par contre, je sais pas pourquoi ça me fait trop de volume, c'est bizarre. Mais vraiment cette longueur, j'aime trop. Je crois que c'est vraiment un carré comme ça que je vais me faire. Hein. J'avais fait du coup un sondage sur Instagram où je vous avais demandé si je me faisais cette coupe ou pas. Évidemment, c'est le nom qui l'a remporté. Quand on voit ma gueule, c'est compréhensible. En fait, tout le monde m'a dit coupe-les-toi comme ça, mais juste pas noir comme ça. Je sais pas trop... Je sais pas trop quoi penser. Moi j'aime bien cette couleur. Je suis d'accord que ça me va pas de ouf au teint. Non mais ces cheveux, j'aime trop les cheveux ondulés. Mais il y a trop de volume, ça rentre pas. J'aime trop cette longueur. Hein. Je vais faire cette longueur, c'est obligé. Ce chapeau ne rentre pas. J'aimerais trop avoir les cheveux comme ça, qui font des petites rubiquettes. On veut toujours ce qu'on a pas de toute façon.
Est-ce que c'est la même? Ah non. Alors celle-ci les gars, je l'ai prise parce que sur la photo du site, ça me faisait grave penser à Tokyo dans la Casa de Papel. C'est un carré ultra court avec une petite frange droite. J'ai vraiment très hâte de voir ma tronche avec ça. Ça va être magnifique à mon avis. Je transpire des cheveux, je savais pas que c'était possible mais j'ai trop chaud. J'ai trop hâte de voir ma tronche avec ça. Non attendez, on n'y est pas encore là. Ah je suis choquée. Ah non mais les gars je suis choquée, on me reconnaît pas du tout là. Mais c'est pas moi. Oh, je suis choquée, j'ai l'impression de me revoir en cinquième avec ma coupe Playmobil. Non mais les gars c'est pas moi là. Pour ceux qui voulaient me voir avec une frange, c'est hyper perturbant. Je trouve vraiment que c'est celle qui me change le plus depuis le début là. Non mais les gars je m'en remets pas. Attendez on va tester avec le chapeau. Bon ça va encore pas rentrer hein. Je suis en train de kiffer ce look hein, je vous le dis direct. J'ai peur d'être la seule d'aimer. Non mais les gars, on tient quelque chose là. Est-ce qu'on repartirait pas sur une petite frange? Et je fais que bouffer ces putains de cheveux. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je suis choquée. On enchaîne avec du rose. Oh non, j'adore. Ah du coup, ça fait trop bizarre de passer à ultra court, à ultra long. Putain, mes cheveux longs, ils me manquent trop. Bah, j'ai bien fait de pas me faire les cheveux roses parce que ça me va pas du tout au teint. Par contre, vraiment, j'aimerais tellement que mes cheveux soient ondulés comme ça tous les jours, naturellement. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça me va pas, hein. En fait, j'ai l'impression que c'est pas vraiment du rose. C'est plus du saumon. Du coup, pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Non, si ça va, en vrai, j'aime bien. Je crois qu'il en reste plus beaucoup. Celle-là, c'est celle qui m'a envoyé en deux fois que j'avais déjà essayé. Il nous en reste deux, du coup. Oseille, t'arrête! T'es chiant! Bouge! Non, mais celle-là, c'est Pocahontas. Non, mais les gars, qui a des cheveux longs comme ça? J'ai tellement envie de me peigner les cheveux. Regardez où ça arrive. Ça fait un peu sorcière, là. Non, mais regardez. C'est beaucoup trop long. Ça pourrait me faire un pagne si jamais j'étais un mec. Regardez où ça va derrière. C'est ouf. Enfin, j'avoue, ça fait un peu rideau. Est-ce qu'on aime bien ou on aime pas? Je sais pas quoi penser. Ah, mais du coup, vous aimez bien ou pas? Ça me tient trop chaud, il faut que je l'enlève là. Je peux pas rester plus longtemps avec, ça me tient trop chaud. La dernière, du coup, c'est une perruque blonde. Je l'ai prise parce que pour le coup, c'était vraiment mon hair goal il y a pas si longtemps que ça. Quand je voulais avoir un blond très très clair, il y a trop de cheveux là. Je dois me débarrasser de cette chose. Non mais c'est vraiment les cheveux que j'ai rêvé toute ma vie. Non, ça fait très mauvaise qualité là par contre. Et je comprends pas pourquoi ils ont gaufré que ici. C'est bizarre. Ça fait vraiment pas du tout bonne qualité hein. Je crois qu'elle m'a coûté 7€ ou un truc comme ça. Ah non c'est trop laid. Oh non. Ah voilà comme ça. Ça me fait grave penser à genre les princesses du Moyen-Âge. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait ouais c'est comment ils l'ont gaufré, ondulé bizarre. Ça fait très caniche hein. Au niveau de la longueur ça arrive ici. Putain c'était mes cheveux avant. Ça me manque trop, purée, mais je suis trop bête. J'aurais dû écouter ma maman. Faites pas de décoloration à vos cheveux. Et du coup là, de regarder comme ça avec du blond, je kiffe bien le noir quand même. Même si tout le monde me dit fais pas ça, moi j'aime bien. Je transfère dans la moustache. Et t'es malade. Vous aimez bien ou pas du coup? Il faut que je l'enlève, j'ai trop chaud. En vrai sinon, go me raser les cheveux, hein. Ou la zéro, tête d'œuf. On voit quand même sacrément mon front, hein. C'est On part sur un front de qualité supérieure. Bon bah du coup c'est terminé. Je suis dégoûtée parce que je viens de capter pourquoi j'avais reçu deux fois la même perruque. Ils ont oublié de m'envoyer une autre que j'avais commandée. Du coup normalement à la place des deux noirs j'étais censée recevoir pareil le carré longueur comme ça. Sauf que j'avais pris couleur blond, exactement le même blond que moi. Et du coup c'était la perruque que je voulais absolument essayer pour voir ma tronche si jamais je me l'ai coupée là. Je suis dégoûtée, je suis ultra dégoûtée. Je sais pas si du coup je me la recommande et j'attends. Et franchement flemme d'attendre un mois. Je vais pas réussir à tenir un mois avant de me couper mes queues de rats là. Du coup dites-moi la perruque que vous avez préférée. Franchement je suis bien en kiff du petit carré noir et frange hein. Est-ce qu'on va péter les plombs jusque là? Honnêtement je ne pense pas. Je vous ai dit au début de la vidéo qu'il manquait une perruque. C'est une perruque grise, blanche. Je vous la mettrai sur l'écran. Le jour où je vais la recevoir, si jamais un jour je la reçois, bien évidemment, je vous la montrerai dans ma story Instagram. Donc, suivez-moi sur Instagram. C'était bien calé, là. Je me félicite moi-même. On va peut-être enlever ça. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé. Non, mais mes cheveux, les gars, c'est du paillasson. Y a plus rien. J'ai tout perdu mes cheveux. J'ai envie de pleurer. Après je me dis mine de rien c'est peut-être une bonne chose parce que j'ai pas resté blonde aux cheveux longs toute ma vie. Donc c'est le moment Marine de prendre sur soi et de changer un petit peu. Oui je me parle à moi-même de façon assez régulière même hein. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude un petit like, un petit commentaire. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.